Hecate, écoute-moi. Noctiluca Hecate, écoute-moi. Par Barabbas, par Satanas, par Cernunnos, Balbéry, Vérine, Grécile. Sonnayon. Carnivéon, Bélias, écoutez-moi, manifestez-vous. Astoron, Avadon, Mammon, Baal, Léviathan, Balaam. Asmodeus, Celsus, Sédon. Nébiros, Narbas, Asmo. Sataniaca, Pémon, Pruslas, Batim, Nuberus. Acas. Zabulon, pur sang, Zargantanas, Valfar, Botis, Gladibolas. Par Barabbas, par Satanas, par Cernunnos. Déesse de la mort, ô déesse infernale, Noctiluca Hecate. Viviane? Hé, Viviane, au sujet de samedi, dis donc. Qui c'est? J'en sais rien. Je crois qu'elle est nouvelle. Elle a l'air plutôt gentille. Tu trouves, oui? Je te parlais de samedi. Est-ce que tu as décidé si tu l'invites? Pas encore. Étant donné que ça se passe chez moi, j'ai une question à te poser. Ne te fâche surtout pas, hein? Non. Est-ce que David se drogue?
C'est ça qui ne va pas? Oh, je ne suis pas aveugle. C'est arrivé bien trop vite. Ce garçon était normal il y a 15 jours et là, il plane à longueur de journée. Non, il ne prend aucune drogue. Tu en es sûre? Parce que... Laisse-le respirer, d'accord, Wendy? Et puis, montre-lui donc un peu d'amitié. Tu sais, ce n'est pas facile d'être ami avec quelqu'un dans les nuages. S'il prend quoi que ce soit samedi prochain, il faudra qu'arrive. D'accord, invite-le. Salut, Wendy. Viviane? Salut, David. Regagnez vos places. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chacun à sa place. Je veux vous annoncer... Monsieur Hildebrand s'est tué. Il est mort dans un accident de voiture, tard, hier soir. Tout ce que je sais, c'est que il est mort sur le coup. Désolé de vous apprendre ça si brutalement. Je suggère que vous alliez tous à la salle d'études jusqu'au prochain cours. Il n'y a rien de changé à l'horaire, demain. On va nommer un suppléant c'est tout, merci. Vous pouvez disposer. Allez-y tout de suite, merci. Viviane, je peux te voir un petit moment? Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé en 2 ans ici. D'abord l'accident. Accident d'autobus qui transportait l'équipe des meneuses de claque, puis D'Angelo. Et là, Carl. C'est bien triste, monsieur Clausen. Oui, c'est une tragédie, en effet. Viviane. Carl était aimé des étudiants. C'était un fichu bon professeur. Il était plus que ça, monsieur Clausen, mais vous le savez sans doute. Moi, je sais, oui. On devait aller pêcher tous les deux ce week-end-ci. On serait revenus bredouille, c'est certain, mais... Écoute, si j'ai voulu te voir, c'est que Carl m'a appelé hier soir. Il était à 11h, peut-être. Il s'en venait chez moi quand c'est arrivé. Il avait l'air embêté. C'est de toi qu'il tenait à me parler. Comment, de moi? Oui, bah, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai pensé que tu saurais de quoi il s'agissait. Non. Non, j'en sais rien. Ah oui, au laboratoire, on devait provoquer la grossesse chez des rats et les ouvrir après. J'ai refusé. Ah, il ne se serait pas déplacé à 11h du soir uniquement pour ça. Il aurait réglé le problème lui-même. Monsieur Clausen, est-ce que vous seriez d'accord pour que je ramasse de l'argent? Tu pourrais envoyer des fleurs au nom de la classe? Je trouve ça très délicat de ta part. Ça suffit, le regard glacial, David. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais de monsieur Hildebrand? J'allais rater son examen. Alors fini l'équipe de football. J'aurais plus été admissible, hein? Tu sais que c'est vrai que tu es malade, David. J'ai tort de me faire du souci pour toi. Wendy est certaine que tu te piques et on est tous là à attendre que tu remettes les pieds sur terre. J'en ai assez, moi. Alors, reprends-toi un peu, ou tu vas être dans un plus grand pétrin que celui où tu es déjà. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est plus que temps de commencer à être sérieux. Tu vas te mettre à étudier et à t'entraîner au football. Et tu vas descendre de ton vaisseau spatial. Si je te déçois à ce point-là, je te demande pardon. Oublie-moi pour l'instant, ça vaudra mieux, hein?
Ça ne va pas? Oh, pardon. Je ne veux pas être indiscrète. C'est que j'ai cru que tu étais peut-être malade. Non, c'est mon air habituel, ça. Tu sais, j'irais bien te chercher à boire. Si je savais où trouver un gobelet et de l'eau, bien sûr. C'est ma première journée ici. Je suis Roberta Prentice. Moi, c'est David Sterling. T'es certain que ça ira? Oui, merci, oui. Où est-ce que tu allais, comme ça? Eh bien, je devais commencer à assister au cours ce matin, mais M. Clausen m'a dit d'attendre à cause d'un décès chez les profs. Oui, M. Hildebrand, en biologie. Un vrai chic type, ce gars-là. Assez vert, mais très chic. Tout le monde l'aimait. Quelque chose te fait peur dans cette mort, toi? Pourquoi tu dis ça? Oh, j'en sais rien, oublie ce que je t'ai dit. Il allait me recaler, je pense. Monsieur Hildebrand? Oui, seulement il a eu cet accident. Alors Dave va continuer à jouer au football. Les choses vont finir par s'arranger. Tu te sens responsable? Ah non. Non, je ne crois pas, non. Si on changeait de sujet, tu veux bien, dis? Bien sûr. Pourquoi t'as raté la rentrée scolaire? Mon père a été muté ici et on a eu du mal à vendre dans le New Jersey puis à trouver une maison dans le coin. C'est ce qui explique mon retard. Ah, tu vas trouver ça chouette ici. On mange de la crème glacée toute l'année. Oui, bon, je dois y aller alors. Merci pour les bons soins. C'est toi le célèbre car arrière, celui qui a eu de gros ennuis? Oui, j'ai lu les cancans du journal local. J'avoue que j'ai pas conservé cette coupure-là. Je l'ai jetée aussi. Dis, tu t'appelles Roberta, hein? Écoute, Roberta, si ça te gêne pas trop d'être vue avec un type que les autres fuient, je pourrais te montrer les lieux après l'école. T'as pas de séance d'entraînement? D'accord. Oui, après ça. D'accord. Je crois que ça me plaira ici, tu sais. Oui, autant me taire si c'est là ton impression. On se trompe parfois, hélas. À plus tard. Hé hey! Ouais! Allons-y! Qu'est-ce qui te prend de reculer, Sterling? Tu viens de perdre 3 mètres. Quant à y être, sers-toi une bière. Allez, on douche. J'ai pas besoin de toi si tu veux pas jouer. Macarole, à toi le ballon. Du nerf, bon sang, du nerf. Loin derrière l'ennemi. Allez-y, montrez ce que vous savez faire. Écoutez, on va essayer depuis le début. Et ensemble cette fois. Hein? Prêt? Allons-y. Monique, je t'adore, Monique. Oh, c'est tranquille, les stupides. Il nous a trouvé une chaise. Sophie, arrête, pas si loin, arrête! Allez, sortez ce bric-à-brac du siège arrière. Ouais, c'est Frankel. Hé, hey, laisse la planche. Hé, hey, mais qu'est-ce qui te prend, Frankel? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous rendre cinglés. Comment qu'est-ce que je fais? Je suis un bon gars, je rends service et je me fais engueuler, merde. J'ai pervis sur le dos, jeté sur le dos, et j'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle va réaliser qu'il lui manque une chaise à table. À part ça, je suis pressé, Dave. Paraît que les vagues font plus d'un mètre de haut à Zuma. C'est fini l'entraînement? Tu viens? Oh, oui, j'ai fini. Ah, laisse, on se reprendra une autre fois. Tant pis, tu as tort, David. Bon, rappelez-vous, on se tient les mains très droites, et les bras aussi. Et on crie, avec énergie, que chaque mot soit bien clair. Bonne, tu veux me remplacer? Bien sûr. Bon, salut. Pour la finale, je on me change et je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Tu t'appelles Roberta Prentice, et je suis Viviane Sutherland. Bonjour, Viviane. C'est sans doute votre mascotte. Oh, il n'est pas méchant, juste un peu nerveux. J'ai décidé les filles à l'adopter la semaine dernière. Tu es en retard sur l'année scolaire, dis donc. Mon père vient tout juste d'être muté ici. Je me serais présentée comme meneuse sans ce retard. Je l'étais déjà à mon école. On aurait été contente de t'avoir. Il y en a qui manquent de souplesse là-dedans. Puis, oh, ça ne se voit pas. Bien, Devona et Lily, ça va, mais... Monique,
c'est Ocean High qui va gagner. Oh, oh, qu'est-ce que tu as, Monique? Oh, qu'est-ce que tu t'es fait? Oh, Monique, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, non, ne bouge pas. Non, non, lève-toi. On doit se tenir debout quand on a une foulure. Ça empêche d'enfler. Mais si c'est plus grave qu'une foulure, Lily. Ah, et ça alors? Monique, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton genou a plié sous toi? J'en sais rien, mais il a craqué. Je crois qu'il est cassé. Oh, Monique, t'en fais pas. C'est rien. Attention, sans attention, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Écartez-vous. Faites-moi de la place, vite. Laissez-moi regarder. Essaye de relaxer, hein. Relaxe-toi. On va te conduire chez le docteur. Ça va aller, attention. Attention. Aidez-moi à la lever. Mettons-la debout. Allez. Doucement. Doucement. Pauvre Monique. Pour elle, le plus dur, ce sera d'être remplacée. C'est triste. Tu penses à la remplacer? Je crois qu'il le faudra bien. Voudrais-tu le faire? Moi? Non, tu es gentille, non. Non, ça ne serait pas juste, je n'en suis qu'à ma première journée. Écoute, c'est moi qui mène l'équipe, je te choisis. Il y a plein de filles sûrement qui la veulent, cette place. Je ne veux pas la leur enlever. C'est toi que je veux, et d'ailleurs, on se connaîtra mieux de cette manière. Attends voir, je crois que j'ai même un uniforme qui dirait. Ah, Viviane, je n'y tiens pas, je t'assure. Oui, ça va aller. Tourne. Désolée. Oh, pardon, tes cheveux ont dû se prendre dans ma bague. Ah! Hé, hey, David! Comment tu vas? Roberta, voici David Sterling, une ancienne grande étoile du football. David, je te présente Roberta. Je connais David. Laissons faire les présentations, alors. L'entraîneur t'a donné congé ou quoi? Non seulement ça, il m'a remplacé. C'est fini, le football. Dommage pour nous deux, hein? Tu sais, Dave, ça risque d'être dangereux pour toi sur le terrain. Tu ne fais aucun effort pour donner ton maximum. Ce n'est pas en te cachant derrière les autres joueurs que tu vas éviter d'être blessé. C'est un très bon conseil, merci. Terminé pour aujourd'hui, les gars. Allez, aux douches. Allez, au bas de course. Vite. Allez, viens, Roberta. Vous allez quelque part? Écoute, j'ai l'impression que vous avez des affaires à régler et que je suis trop... On ira un autre jour. Où ça, David? Frankel dit qu'il y a de grosses vagues pour le surf à Zuma et j'emmène Roberta. Du surf, toi? Voyons, tu as cessé d'en faire. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. Bah, j'ai décidé de recommencer. Allez, viens, Roberta. Un conseil. Tâchons de l'éviter. Tu décides à y aller? Pas aujourd'hui, non. Ça te manquait, le surf, hein? Ouais. Quoique je le réalisais pas, tu sais, même quand la vague m'emportait. J'adore ça, c'est drôle, hein? Non, c'est comme ça quand je fais du ski. Ah oui? T'en feras ici, alors. En Californie, il y a de quoi plaire à tout le monde. Pourquoi tu venais plus ici? Oh, parce que j'avais autre chose en tête. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Quelque chose... De parler, ah, doute. Écoute, entre nous, la page est blanche, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je t'ai invité ici. Quand on se connaît pas, ça évite les explications. C'est très juste ce que tu dis. Pas avoir de passé, c'est utile, quelquefois. On n'a pas à s'expliquer, à donner les raisons de ses actes. Dans le fond, j'aime les pages blanches, moi aussi. Il ne reste pas longtemps, c'est ça, le malheur. T'as raison. Il doit y avoir de l'électricité. Dave, qui est Viviane? Toi, t'as une façon de balancer des drôles de questions au milieu d'une conversation. Peut-être, mais qui est-elle? La reine de l'école, l'étudiante modèle, miss popularité auprès de tout le monde. De toi? Je suis sorti avec elle. Jusqu'à il y a 3 semaines, alors. Écoute, j'essaie de maintenir la tête au-dessus de l'eau pour le moment. D'accord. On va laisser tomber Viviane.
Il n'y a que... Depuis quelque temps, je suis... Je suis d'une humeur massacrante. Je veux pas la passer sur toi. Je sais. Et puis, tu es mon seul ami. Sans toi, j'en aurais mis du temps pour découvrir le Pacifique. Écoute, Roberta, je ne crois pas être le genre d'ami que tu cherches. Oh, si, au contraire, baby. On n'est pas comme les autres, toi et moi. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui compter. Il vaut mieux rentrer. Allons-y. Je te remercie pour cette journée, David. Ça me faisait peur de commencer l'année avec tant de retard dans une nouvelle école, rencontrer les gens. Tu m'as facilité les choses. Tant mieux alors. Et moi, j'avais besoin de parler à quelqu'un. C'est mon père. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Ça va, toi? À merveille. Ouais, on ne perd pas de temps par ici. Je n'attendais pas de visiteurs aussitôt. Eh bien, on a fait connaissance ce matin à l'école. Tu t'appelles Dave Sterling, je sais. C'est toi que le journal mentionnait, pas vrai? À l'école, tu dis? Oui, c'est ça. Mon renvoi était temporaire. Ah, l'école tenait à son quart arrière étoile. Oui, sans doute. Ben, Roberta, un de ces jours, d'accord? Heureux d'avoir fait votre connaissance. Oui. David, attends une minute. D'accord. Tu exagères. Il fallait que tu tombes sur l'ivrogne de l'école. C'est des histoires, tout Allons, il a défoncé une vitrine avec sa fourgonnette. On l'a renvoyé de l'école et de l'équipe de football, Roberta. Tu l'as lu, tout comme moi, sois sérieux. On l'a repris. C'est une bêtise. Quant à moi, sa popularité, voilà ce qui l'a sauvé. J'aurais aimé que tu prennes un meilleur départ dans cette école-là. Mais c'est ce que je fais. Oh, je te jure, bon, je vais chercher mes bouquins. Le journal a dit ce qui était arrivé, mais pas pourquoi. Si tu veux pas me parler de l'accident, libre à toi. Tu dois avoir des raisons, je comprends. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est qu'on soit amis, toi et moi. Amis? Ça a été très chouette, cette journée. Sorcière en voûteur et mage. Un drôle de lecture. Je dois y aller. On se retrouvera demain matin. Eka, écoute-moi. Non, petit Lucas, Eka, écoute-moi. Par Allah. Par Satana. Par Cernuma. Caféiné. Je t'ai dit une bière. Il est trop tard. Oh, je peux aller me la chercher. C'est une reprise. La vie aussi, d'ailleurs. J'en aurai bientôt fini. Sois gentille, passe-moi la petite clé, s'il te plaît. Merci, chérie. Clickwick, je vais l'appeler comme ça. Est-ce que je te l'ai dit? C'est Viviane qui m'a pondu un nom pareil. C'est génial. Les gars de la publicité vont adorer ça pour un briquet. En général, ils marchent au butane aujourd'hui.
Oui, ce qu'on jette, d'accord, mais dans un briquet de classe, ça prend encore une mèche. T'as jamais essayé de changer ça? Bien pas me dire que ça se vendra pas, les gens achètent un tas de trucs inutiles. Tiens, 18,95. 7,25. 9,99. Et ça, tiens ça. C'est pour couper les ananas. Je l'ai trouvé dans ta cuisine. Combien de fois t'as acheté des ananas dans ta vie, Diane, hein? Viens pas me dire que mon briquet se vendra pas. Qu'est-ce qu'elle fout là-haut au nom d'une pipe? Si c'est de la chimie, on leur donne des drôles de devoirs à l'école. Pfiou. Elle passe le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre. Il faudrait que tu lui parles. Bien là, Diane, ça suffit. T'arrêtais pas de me rabattre les oreilles parce que les autres ne travaillaient pas assez. Et puis là, tu veux que je la reprenne parce qu'elle étudie trop? Est-ce que tu réalises que c'est une première de classe, notre fille? Puisqu'elle nous fait honneur, ce qu'on n'a jamais pu dire des autres fainéantes qu'on a eues. Je vais te dire quel est ton problème, toi. Tu ne voulais pas d'elle au départ. Sherman. Quoi? C'est vrai, tu voulais avorter, la seule qui paye le coup qu'on fasse quelque chose pour elle, et tu voulais t'en défaire. C'est beaucoup trop déjà. Ce sera encore une fille, tu disais. Tais-toi, Sherman. Alors, rappelle-toi de Stéphanie. J'ai vendu mon bridge en or pour la faire entrer au collège et elle s'est fait recaler. Marianne. Mais son peintre en bâtiment, c'est un vaurien et un voleur. Hitler aussi était peintre. Les vapeurs leur font perdre la tête. Marianne est très heureuse avec lui. Tu parles qu'elle va être heureuse quand il va se retrouver en tôle. Il n'y en a pas une des six autres qui se préoccupe de moi quand elles viennent me voir. C'est qu'elles ont quelque chose à me soutirer. Tu es injuste, Sherman. Les jeunes sont... Déjà, Némarine a près de 30 ans. Quand est-ce que les autres filles prennent le temps de passer me voir à l'usine? Dis-moi. Viviane te fait des visites à l'usine? Pourquoi? Ah, oh, est-ce que je sais pourquoi, moi? Elle vit avec nous, Sherman. Elle a tout le temps ici de te voir. Eh bien, faut croire que ça ne lui suffit pas, Diane. Alors, elle vient me voir au travail. On prend un café et puis on discute un peu, c'est intéressant. Viviane croit que j'ai de bonnes chances d'être nommé contremaître, maintenant que Herman est parti. Parti? Pourquoi? Je ne te l'avais pas dit. Je me rappelle l'avoir dit à Viviane, pourtant, en tout cas, peu importe. Il a fait une crise cardiaque la semaine dernière au milieu du quai de chargement. Il avait l'air en santé et tout à coup, il est devenu bleu et boum, par terre. Mais comment a-t-il pu faire une crise? Il n'a que 35 ans. Oh, on peut tous souffrir du cœur, Diane. À condition d'en avoir, si tu vois ce que je veux dire. Oh, et puis, va s'en sortir, c'est pas fatal, ça. Probable qu'il va prendre 6 mois de repos. Et Viviane croit que j'ai bonne chance de lui succéder. J'aurai beaucoup plus de responsabilités, mais je serai mieux payé aussi. Oui, tu pourras lui acheter ce qu'elle veut. C'est un crime, ça, d'après toi? Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est tout. Pas toi? Ah oui, je veux ce qu'il y a de mieux. Essas, Achaos, Barbatos, Agares, Nephtalius, Epéros. Isaac Aaron, Auré, Agaliarept, Batim. Barabbas, par Satanas, par Cernunnos, par l'éclat de cette bougie bleue, veuillez donc m'exaucer, exaucer ce vœu.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se produit encore, ça y est, ça se produit encore. Non. Si, sauf que j'ai de nouveaux pouvoirs maintenant. Là, c'est autre chose que de lire dans la pensée des gens ou de savoir ce qui va arriver dans l'avenir. Et l'horloge? L'horloge a traversé la pièce pour venir droit sur moi et de la main, je l'ai arrêtée. Assez! Je t'en prie, écoute-moi. Inutile de me faire croire que je suis normale. Ce n'est pas vrai, tu le sais. Tu m'as promis de changer quand j'ai été muté ici. J'ai accepté une diminution de salaire, j'ai liquidé la maison, j'ai perdu mes amis, j'ai tout laissé. Tu devais essayer de te contrôler. Mais comment me contrôler? Ah, j'en sais rien. Je t'en prie. Tu es la seule personne à qui je puisse en parler. Aide-moi, papa. Je ne le peux pas. J'ai déjà vécu tout ça avec ta mère. Je n'ai pas la force de recommencer. As-tu déjà oublié tout ce qui s'est passé chez nous? Tu as dit à Germaine qu'elle allait faire un coma diabétique alors qu'on ne lui connaissait pas cette maladie. Est-ce que j'avais le choix? C'était ma meilleure amie. Je voulais qu'elle consulte un docteur. Je voulais lui sauver la vie. Et tu as failli gâcher la tienne quand elle a fini par y entrer dans le coma. Tout le monde t'a regardé de travers. Tout le monde. On t'a traité en paria, Steve et tous les autres. Je n'y comprends rien, rien du tout. Aucune de tes sœurs n'a ce problème. Je sais, oui. Mais je n'y peux rien. Je t'assure que c'est pas volontaire. C'est quelque chose qui m'arrive tout à coup. Quelque chose qui change. Qui gagne de la force. Aujourd'hui, à l'école, je n'ai encore ressenti. Une fille m'a effleurée. Et ça a été horrible. C'était comme un cauchemar. Écoute, tu sais que je t'aime, chérie. Je ne veux que ton bonheur, moi. Mais il faut s'arrêter de fuir sans cesse. J'en ai assez de vivre dans la peur. Et moi aussi, je veux cesser de fuir. Il faut que je m'arrange pour découvrir ce que j'ai en moi et m'en guérir. Sois prudente, surtout. Allô? Et quel est donc son pouvoir? Ekad, écoute-moi. Noctiluca, Ekad, entends ta servante. Je la nomme, c'est Roberta Prentice. Femme ou sorcière, tel est son nom. Malédiction. Immense affliction. Dépêche, on va être en retard au cours. D'accord, j'arrive dans une minute. Autant pour le surf, c'est la météo qui dit. L'ouragan Jova perd de l'intensité, ce n'est plus qu'une tempête. Les vagues font 2-3 mètres à Malibu. On va sécher le dernier. Je suis déjà pris. Je ne te crois pas. Oh, tu parles de Roberta? Elle est malade aujourd'hui, tu l'ignorais? Mais de quoi est-ce que tu parles? Roberta est malade. Mais malade de quoi? Oh, j'en sais rien, elle a dû attraper un de ces virus. Viviane, si jamais tu t'attaques à elle... Entendons-nous bien, c'est un conseil, David. Tu as beau être dérangé, mon pauvre garçon, ces temps-ci, tu restes mon ennemi à moi. De quoi j'ai l'air, moi, si tu sors avec cette Roberta? Oh, David, où est-il, mon David? Ah, tu sais comme tu m'es nécessaire. Je suis heureuse avec toi. Et ton corps me rend folle. Souviens-toi du plaisir que tu as avec moi. Ah, je peux t'en donner plus encore. Oublie donc, Roberta. Est-ce que chaque personne qui me fréquente devient une cible de choix pour toi? C'est tout propre ou figuré que tu parles? Il y a une nuance. Et je sais de quoi tu es capable. Je te connais, va. Je sais ce que tu es. Et je te demande, et même je t'en conjure, ne touche pas à Roberta. Laisse-nous en paix. Là, je crois bien que ça dépend de toi, David. Pas vrai?
Roberta! Roberta! David, je dois me rendre à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi? C'est mon père qui est malade. Ça s'est passé hier soir. Oh, David, il souffre tellement, pauvre papa. Ils ont d'abord cru que c'était son cœur, mais ils ne savent plus ce qu'il a. Ils lui font des tests. Attends, il faut absolument que je te parle de Viviane. Oh, David, ce n'est pas le moment. On se verra plus tard quand je reviendrai. Bon, d'accord, ça va, d'accord. Sois bien prudente, veux-tu? Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des vagues de cette hauteur-là. Ouais, t'as pas du surf pour débutants, ça. Il y a la moitié de l'équipe de football qui lui fait la cour. Plus ils sont nombreux, moins c'est dangereux, faut dire. T'es pas d'accord, Diane? Moi, je trouve ça moins inquiétant. Elle ne passe pas tout son temps avec Dave, en tout cas. Les choses étaient devenues trop sérieuses entre... Je n'aimais pas ça. Tu sais, il faut que tu t'attendes à la perdre un jour. Ah oui? Mais je serais étonné que ça arrive. Comédiens qui sont. J'ai dit comédiens. Oui, j'ai entendu. Des comédiens. Ah oui, c'est vrai. Tu sais ce que c'est ton problème, toi? Tu réalises que de toutes tes filles, c'est la seule qui va arriver à quelque chose dans la vie. Et t'as du mal à le digérer. C'est ça ton problème, Diane. Oh non, c'est faux. Ben, il faut que je rentre. Si, c'est vrai. T'es tellement jalouse d'elle que t'en es verte. Tu as raison. Merci encore, les gars. De rien, on recommencera. Salut. Bonsoir, maman. Tu es en retard pour le dîner. Ton père est à la maison. Bon, j'ai déjà mangé, t'en fais pas. On est allé au restaurant. Où est-ce qu'il est? Ton père, devant la télé, j'imagine. Fallait s'en douter. Allô? Oui, je désire parler à Roberta Prentice, monsieur. Bien, je regrette, elle n'est pas là, elle est à l'hôpital. À l'hôpital? Elle est malade? Pas elle, non, c'est monsieur Prentice. Écoutez, je n'en sais pas plus long, je suis juste venu chercher des documents pour le bureau. Rappelez donc Roberta en fin de soirée. Merci, d'accord, entendu. Il y a une nouvelle à l'école qui s'appelle Roberta Prentice? Elle est des nôtres? Oui, je crois qu'elle l'est. Rien n'a réussi contre elle. Oh, est-ce que papa t'a dit? Il m'achète une voiture. C'est décidé depuis quand? Oh, on en a parlé tous les deux ce matin. Et il m'a dit de commencer à en chercher une, qu'il allait faire un versement dès qu'il serait contre maître. Et il ne l'est pas encore. Mais il va l'être. Je m'en vais dans ma chambre, j'ai des choses à faire. Et je veux être tranquille, pas de téléphone. Viviane. Arrête ça et vite. Là, tout de suite, dès maintenant. Faut que tu arrêtes. Ah, tu es fâchée pour l'auto? L'auto, je m'en fiche. C'est ta façon de l'obtenir qui m'inquiète. Tu ne sais pas ce que tu fais. Arrête tout de suite, il le faut. Oh si, maman, je sais ce que je fais. Je le sais très bien, va. Je sais que je n'habiterai pas un trou comme ici toute ma vie, ça non merci. Et je n'épouserai pas un pauvre simplet comme qui tu sais. Il est honnête, ton père. Et il t'aime de tout son cœur en plus. Ça le regarde, je ne lui ai rien demandé. Viviane. Tu avais le pouvoir et tu ne t'en es pas servie. Tu t'es satisfaite de ça. Penses-tu que ce soit un exemple pour moi? Alors que tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. Tu crois que c'est un don, Viviane? Alors qu'au contraire, c'est une malédiction. J'ai eu ma voiture et je sais que j'obtiendrai tout ce que je veux. Et c'est tout ce qui t'importe? Si ça t'offense, pardonne-moi. Non, ça ne me blesse pas. Ça me brise le cœur. Parce que je suis responsable. Oh, là, on y est, voilà. C'est l'instant des pleurs et des sermons pour que je sois une bonne petite fille. Écoute, si tu n'as pas jugé utile de t'en servir, ce n'est pas ce que je compte faire. Tu veux que je te dise ce que je crois? T'as été trop lâche. Et je crois que t'as été stupide. Je ne serai pas comme toi. Il y a plein de choses dans la vie. Et je vais les avoir toutes. As-tu pensé à celles que tu n'auras pas? C'est un choix, Viviane. Et tu le sais.
Qu'est-ce que tu fais des joies que tu ne pourras jamais connaître, des sentiments que tu ne pourras jamais éprouver? Qu'est-ce que tu fais de la solitude? Je la vois sur ton visage. Dis pas le contraire. T'as raison, c'est vrai. C'est bien un choix. Je t'empêcherai de nuire. Et comment? C'est moi qui t'ai transmis ce pouvoir. Je l'ai, moi aussi. Tu ne l'as jamais utilisé? Jamais tu ne l'as exercé? Il est devenu trop faible chez toi, maman. C'est ce que tu crois? Tu as tort de me provoquer? Bonne nuit, maman.
plus vite, il faut sortir d'ici. Pourrait sans doute la conduire à l'hôpital. Mais ça ne semble pas nécessaire. Elle ne souffre pas d'asphyxie, rien du tout. Je m'inquiétais de savoir ce qu'elle avait pris ce soir. Mais elle dit que c'est un sédatif que lui a donné le médecin de son père. Oui, son père est à l'hôpital. Oui. Bien, écoutez, elle ferait mieux d'aller coucher chez des amis si vous lui en connaissez. Je lui déconseille de coucher ici. Elle ne peut pas rester dans cette maison. Êtes-vous sûr qu'elle n'a rien? Je peux la conduire chez un docteur. Si ça peut vous rassurer, faites-le. Mais je crois sincèrement que c'est inutile. D'accord. Merci beaucoup. De rien, oui. Tu vas bien? Tu es sûr? Mais qu'est-ce que tu faisais ici? Ah, j'avais peur qu'il se passe quelque chose comme ça. Et je suis venu monter la garde. Ah, d'accord, je me sentais idiot, mais j'ai bien fait d'être là, je crois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Il faut s'en aller d'ici. Viens. Je vais aller me changer. Pas, David. Je te préviens, tu vas croire que j'ai l'esprit dérangé. J'ai l'habitude des choses étranges. Parle, dis ce que t'as à dire. Viviane est une sorcière. Tu vois, hein? C'est pour ça que je me suis tue jusqu'à maintenant. Quand je le dis, on me regarde d'un drôle d'air et on me fait un sourire poli. D'accord. Allez, vas-y, je t'écoute. Ben, tout a commencé l'an dernier. On était à la plage. J'étais à court de petites monnaies et j'ai regardé dans le sac de Viviane parce qu'il fallait que je téléphone tout de suite chez moi. Sais-tu ce que contenait son porte-monnaie? Quoi? Une araignée. Morte, toute séchée. Sauf qu'elle était parfaite, elle était demeurée entière. Comme si on l'avait traitée pour ça. Et il y avait un morceau de... je sais pas, de racine. Et une sorte de fiole avec de la poudre dedans. Et quelque chose qui avait l'air de cheveux humains. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, mais elle a dit que c'était parce qu'elle voulait jouer un tour à une personne. Di Angelo, monsieur Hildebrand. Très drôle comme tour. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? En me faisant recaler par monsieur Hildebrand, j'aurais été empêché de jouer au football. Alors il en est mort. Et c'est quand j'ai commencé à sortir avec elle que Di Angelo a eu une crise cardiaque. Notre car arrière vedette hors de service. On m'a désigné à sa place et lui doit se bourrer de digitaline parce que Viviane refuse de sortir avec un gars ordinaire. Il fallait le dire à la police. Ah oui, t'en as de bonnes, toi. Je serais bon pour qu'on me mette à l'asile avec les cinglés. Ah, tu te rappelles de ce livre que j'avais sur la sorcellerie? Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Je l'ai déniché il y a quelques semaines, mais quand je l'ai lu d'abord, j'ai pas voulu y croire. Il y a 3 semaines? Et t'as deviné, oui. Je voulais oublier ce que j'avais découvert. Ah, se saouler la gueule, c'est une réaction d'adulte, non? Tiens, regarde. Ça, c'est le cercle démoniaque. Est-ce que tu vois ce qui est inscrit sur le côté? Sother, Viviane, elle s'appelle Sutherland, mais Roberta. Mais c'est peut-être qu'une coïncidence, ça ne veut rien dire. Oui, mais le chat noir qu'elle possède... C'est de tradition chez les sorcières, il paraît. Et elles se servent de belettes, de souris, de crapauds et de corneilles. Puis là, tiens, elles les alimentent de gouttes de sang. Ah, oh, je ne veux rien savoir de tout ça. Viens, allons-en, je t'en prie. Thank you.
Est-ce que je peux parler? Ah oui, bien sûr, David. Ce que je t'expliquais, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Il reste que j'ai mes idées. Et j'en ai à propos de toi aussi. D'où vient la cicatrice que tu as à la main? Je me suis coincé les doigts dans la portière d'une auto quand j'avais 2 ans. Viviane en a une identique. Même endroit, exactement. C'est un signe de puissance. La puissance dévolue à la 7e fille d'une 7e fille. C'est le cas de Viviane, tu sais. Ça lui confère des pouvoirs, le don de prophétie. Je suis une 7e fille, t'as raison. Mais erreur, je n'ai pas le don de prophétie. Je n'ai rien reçu d'autre que les robes de mes sœurs quand elles avaient fini de les porter. Écoute, Roberta, Viviane veut te détruire. Elle s'en est prise non seulement à toi, mais à ton père. Comment mon père? Qu'est-ce que tu entends? Les médecins ignorent ce qu'il a. C'est toi qui me l'as dit. Et c'est arrivé en un éclair. Viviane t'a acheté une espèce de sort. Seulement, au lieu de t'atteindre, le maléfice a frappé ton père. Parce que tu as toi-même des pouvoirs. Et ils te garantissent contre elle. Disons qu'elle t'a eu par ricochet. Stupide, va te reposer dans la chambre de mes parents. Oui, mais s'ils arrivaient... Je t'ai dit qu'ils sont partis en week-end, ils reviennent que lundi. Bon, d'accord, t'as qu'à prendre la mienne, et moi, c'est simple, je prendrai la leur. Je ne dormirai pas, alors, quelle importance. J'ai tellement peur, si tu savais. Oh, et il n'y a aucune raison, Roberta, voyons. Tu es en sécurité ici, calme-toi. C'est mieux, là? Un petit effort, allons, réponds-moi. C'est mieux, oui. Mais j'y peux rien, je suis angoissée. Et toi? Ben, moi, je souffre d'un léger cas de panique, oui. C'est curieux, ça. Je suis tout soulagé de pouvoir le dire. Je pense que le pire, c'est de ne pas être capable d'en parler, de devoir garder ce terrible secret pour soi. Je sais, oui, je me tais aussi parce que papa agit comme si j'étais normale. En ne parlant pas de mon problème, il pense qu'il s'en ira. T'as rien dit à tes parents? Oh, ils sont chouettes, tu sais. Mais ils ont déjà assez d'ennuis. Pense-y. C'est pas très gai pour eux de voir leur fils unique se retrouver dans de mauvais draps. Enfin. Mettons que je les ai bien déçus. Pour toi aussi, ça a été très dur. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se rencontre, toi et moi. C'est d'être la cause de tout ça qui me torturait. Le sentiment d'être coupable de ce qui arrivait à tous ces pauvres gens pour faire de moi le gars que Viviane désirait. Oh, David, c'est pas ta faute. Oui, c'est ce dont Madame Moore essaie de me convaincre. Emily Moore. J'avais lu un article sur elle. C'est un expert que même la police consulte pour des cas de personnes manquantes, entre autres. Eh bien, j'y suis allé pour Viviane. Je crois que tu devrais aussi la voir. C'est une idée. J'ai dit à mon père que j'essaierais de me guérir. Écoute-moi une seconde. J'ai l'impression que c'est moi qui t'ai impliqué dans cette histoire et je veux essayer de t'en sortir. Pourquoi? Pourquoi t'en faire pour moi? Je t'ai causé que des ennuis. Ben alors, devine. Et tes parents? On a la maison jusqu'à lundi. Je sais bien que ça a l'air de sortir tout droit d'un bouquin de 4 sous qu'on achète au supermarché, mais
Cette histoire de septième fille n'est pas nécessairement absurde. Main, ils sont prêts, le compte minute a sonné. Sors-les du four alors. Attention, c'est très chaud. C'est pour la vente des gâteaux à l'école. Tout le monde surveille sa ligne et les écoles continuent de vendre des gâteaux. Enfin, cela apprend aux jeunes à amasser des fonds pour la charité. J'ignore si tu as des pouvoirs. Disons que tous les signes sont là. Tu as un nom de sorcière. Prentice? Prentice, oui. Mais c'est à ton véritable prénom, pas Roberta. C'est à Robin que je pensais. C'est un prénom qu'on donne souvent au chef d'une bande. D'une bande de 13 en général. Tout à fait comme celle des joyeux lurons de Robin des Bois. Robin des Bois? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on craint tant le chiffre 13? Pourquoi on le considère malchanceux? C'est un nombre archivénéré par les sorcières. Tiens, par exemple, dans une année lunaire en bolismique, il y a 13 mois, à chacune des 13 pleines lunes, les prêtresses, les sorcières plutôt, sont tenues de se mettre au service de leur déité respective. Enfin. Tu as des dons, tu le savais? Oui. Elle est morte en couche, ta mère. Alors comment aurais-tu compris? Ça devait être affreux d'avoir en toi ce pouvoir toute ta vie sans réaliser ce que c'était. Tu as probablement tenté de l'enfouir, hein? De le nier, de le réprimer. Robin, il n'y a rien de mal dans ce pouvoir, sauf si on en abuse. Je n'en ai jamais voulu, c'est clair. Tu veux l'abandonner à d'autres, comme à Viviane, peut-être? Non. David m'en a dit long sur Viviane, tu sais, depuis quelque temps. Quand il est venu me voir, il était des plus inquiets. Et il y avait de quoi. Robin, le monde où l'on vit est physique. Mais ce monde dit physique n'est qu'une partie de la réalité. Il existe des forces, dont les forces du mal, aussi vraies que le sont cette chaise et cette table. Des forces qui cherchent toujours à dominer et à avilir, à corrompre. Et Viviane... Viviane en est une de ses forces. Mais qu'est-ce que je suis, moi? À laquelle des forces est-ce que j'appartiens? Il y a aussi les forces du bien contre celles du mal. C'est la lutte traditionnelle. Mais c'est un combat dont l'issue n'est jamais définitive. Autrement dit, il faut que je combatte Viviane? C'est la seule manière. Combattre. Les champs de bataille varient au fil des siècles, mais la lutte est toujours la même. Est-ce que je l'ai, cette force-là? La tante peut-être, mais elle la possède. Cindy risque de brûler le reste des gâteaux si je ne retourne pas à la cuisine. D'après ce que tu m'en as dit, je pense que Viviane a tout mis en œuvre pour aiguiser ses pouvoirs et en tirer le maximum. Je ne connais pas l'étendue de sa puissance. Je suis à toi dans une minute, chérie. J'aurai besoin de certaines choses. La date et le lieu précis de la naissance de Viviane, et puis l'heure en plus, c'est essentiel. Et quelque chose qui vient de sa personne, comme des rognures d'ongles ou des mèches de cheveux. Une langue de chien, des yeux de triton. Non, rien de si exotique. Ce bouquin, lis-le, étudie-le. Il va t'apprendre tes dons, la manière de t'en servir et comment les développer. Et Robin... Tiens, prends cette pierre, c'est une agate noire. Elle va te protéger contre Viviane et je t'en prie, apporte-moi ce que je t'ai demandé. Je ne cherche pas à t'effrayer, mais c'est peut-être ta vie qui en dépend. Maintenant, va. Et alors, ça va? Ouf. Comment tu te sens? Affreusement nerveuse. Il n'y a personne à 10 km. Tiens, on va accoster ici. D'accord. Attention. Tout le monde descend. Ça y est. Allons-y. Tu crois que ça ira, oui? Oui, bien sûr que oui. Tiens, commence par ton pouvoir de concentration. Oh, je suis pas très certaine d'en avoir, David. Écoute, Madame Moore en est persuadée. Allons, faut trouver quelque chose. Quoi? Le canot. Le canot? Essaye-toi là-dessus. D'accord. Le canon. Mais bouge! Dans mon prochain tour, tu ne te concentres pas assez. Si. C'est une question d'attitude, alors. Écoute, si tu n'y crois pas, il ne va pas bouger, c'est sûr. Rappelle-toi ce qu'a dit Madame Moore.
Tu en es capable, Roberta. Tu as arrêté la jardinière d'un seul geste. Et l'horloge. Je vais essayer encore. Essayez seulement, pourquoi? Allez, va. Sois positive. Que je disais, tu as réussi. J'ai réussi. Ouais. Oh, mais une seconde, on en a besoin. Ramène-le. Aucun problème. Super. Et alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Attends que je regarde là-dedans. Commande aux éléments. Commander aux éléments? Tu veux dire la pluie, le feu, le vent? Oui, oui. D'accord. Éteins-le. Allez, fais vite, éteins-le. Non, non, pas comme ça. Éteins le feu, allez. Tu avais raison. Il a suffi que je me concentre et que je réalise ce dont je suis capable. À mon tour de regarder. Et vous recherchez quoi? Je sais pas, des trucs à faire, il y en a d'autres. Tiens, la lévitation. Non. De la lévitation. Ah, t'as vu, dis, c'est chouette. Hey! David! David! Tu n'as rien? Si, je l'ai. Je suis tellement bien avec toi. Moi aussi. Hé, hey, ça va aujourd'hui? Oui. Tu as toujours la gâte de Madame Moore sur toi? Oui, bien sûr, je l'ai juste ici. Mais je me sens stupide de faire ça. On n'est plus au Moyen-Âge, David. À tout à l'heure. Je dois y aller. Bye. J'ai quelque chose à te dire. J'ai un cours. Je veux te parler et tout de suite. Écoute, Viviane, je sais qui tu es et tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Et personnellement, je ne suis pas du tout intéressée à Paris. Oh, mais tu ignores ce dont je suis capable. Et je n'ai aucune intention de rester dans ce couloir et de te l'expliquer. Allez, viens. Avance.
Allons droit au but, Roberta. Ce serait inutile de perdre mon temps. Il faut que tu quittes ce campus. Tu marches dans mes plates-bandes. Ici, c'est mon école à moi. Et c'est la mienne aussi. Je crois que tu serais mieux à Wilson. Tu fais erreur. Je suis très à l'aise ici, merci. Un jour ou l'autre, tu devras ficher le camp. Alors va-t'en tout de suite, ça évitera les bains de sang. À toi de décider. C'est fait, je reste. Que tu crois, Viviane? Je ne suis pas Monique ou Monsieur Hildebrand. Dorénavant, tu ne pourras ni m'atteindre, ni atteindre qui que ce soit. Je vais te contrer. Tu vas quoi? Ici. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Viviane, allez, parle. Vous ne me croirez pas si je vous le dis. Je veux savoir ce qui s'est passé. Réponds. Disons que ça ne vous regarde pas du tout, monsieur Nemens. D'accord. Que vos parents se présentent chez monsieur Clausen à son bureau demain à 10h. Et toi, tu veux la nouvelle? Quel est ton nom? Roberta Prentice. Tes parents aussi sont convoqués. Compris? Oui, d'accord. Viviane, tu as entendu? Oh, bien sûr. Et comme ça, on aura tous l'occasion de parler de ce petit incident et de ce qui s'est passé à l'arrière de votre auto l'autre mercredi. Viviane... Autant en profiter pour vous décharger la conscience, pas vrai? Oh, je n'ai rien contre une... contre une petite partie de ce que l'on appelle du pelotage, mais... Vous connaissez les mœurs strictes du vice-principal Clausen et de certaines personnes de la commission scolaire. Alors, je crois que si j'étais vous, j'oublierais cette histoire. Là-dessus, bonne journée. Je te donne 2 jours, Roberta. 2, et ensuite, tu es morte. Je te donne deux jours. C'est son jeu, ça. Elle essaie de t'intimider, voyons, pour que tu meurs d'inquiétude en te faisant croire qu'elle t'a acheté un sort. Un sort? Ah, on ne sait pas ce qu'elle m'a dit. Elle a dit 2 jours. Écoute, Roberta, tu l'as vaincue tout à l'heure. J'étais sur le coin de plancher et elle m'aurait battue sans la présence de monsieur Nemeth. David, je le sentais, son pouvoir, je le sentais! Non, Roberta, allons! C'est comme au cinéma, les bons contre les méchants! Et qu'est-ce qu'il nous a appris, John Wayne? Que les bons ne perdent jamais! Eh bien, va le dire à madame Hildebrand! Et je t'ai prévenu, hein, tu m'attends dans la voiture. Je viens avec toi, David. Sans doute personne, tout est sombre. Je dis ça, mais c'est loin d'être sûr. Peut-être que Viviane sait déjà tout. Peut-être bien qu'elle nous attend. Vaut mieux alors que je t'accompagne. Ça peut être utile, une bonne sorcière. D'accord. Des cheveux sur la brosse de Viviane. Madame Moore a besoin de quelque chose qui vient d'elle pour fabriquer un fétiche. D'habitude, il laisse une clé là-dessous. Oui,
chambre de Viviane est en haut de l'escalier. Chat noir, comme tu disais. Trouvons cette brosse et fichons le camp d'ici. Ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le livre des ombres. Et le poignard. Elle vénère le diable, à ce que je vois. Le pentacle. Les deux pointes tournées vers le haut comme ça sont les cornes de Satan. Roberta! Roberta, vite, sortons d'ici! Attends, la clé! Attends! Roberta! Ça n'en finit plus. Est-ce qu'on en a encore pour longtemps? J'en sais rien. Tu as mal, David? Oui, un peu, mais ça sent dur, va. Madame Moore, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'est que je peux me tromper, tu sais. J'ai... Et là, vous allez me donner la trouille, parlez, qu'est-ce qui va pas? Pour tout dire... L'ennui, c'est que je n'ai jamais vu de sorcière comme celle-là. C'est une servante des quatre. J'ai beaucoup lu à leur sujet et... Je suppose que c'en est une, puisque tout concorde. C'est une affaire de calendrier. Et vous la craignez? C'est ça, elle vous menace également? Hein, vous la craignez? Ah, écoute, Robin, est-ce que tu peux quitter la ville pendant quelques jours? Est-ce que tu peux te loger ailleurs? Les sortilèges sont limités géographiquement, d'habitude. Parfois, 100 kilomètres peuvent faire une bien grande différence. Et là, de quoi s'agit-il? C'est hors de question. Il y a mon père à qui... Viviane a déjà fait assez de mal. Il est sorti de l'hôpital ce matin. Il ne peut pas voyager. Je dois rester auprès de lui. Et je n'abandonnerai pas David. Oh, Madame Moore, voyons, dites-nous ce qu'il y a à parler. Dites-le donc. Quand Viviane a menacé de te tuer... Elle a dit 2 jours. Que tu serais morte dans 2 jours. Donc c'est demain, ça. Vers minuit, j'imagine. Ce sera la pleine lune. Madame Moore, vous voulez dire que vous êtes persuadée qu'elle va réussir à me tuer? Je suis certaine
qu'elle essaie de te tuer, ça oui. Et elle pourrait y parvenir. Ça dépend d'un grand nombre de choses, de Viviane elle-même surtout en fait. Ce qui est certain, c'est une adoratrice des quatre, et c'est extrêmement rare d'en voir. Peut-être bien qu'il y en a une ou deux dans un siècle. À la pleine lune, en trine opposition à son signe de naissance, ses pouvoirs peuvent être doublés. Mais remarque que dans son cas, ses pouvoirs ne sont pas nécessairement accrus. C'est dur à dire. Mais je sais que vous courez tous un grave danger. David, ton père et toi. Et qu'il faut que tu évites à tout prix d'entrer un seul instant en contact avec elle pendant la pleine lune demain soir. Robin, crois-moi, je t'en prie. Car elle va chercher à te détruire durant cette nuit-là. Mais il doit sûrement y avoir quelque chose à faire, je sais pas. Comme quoi, recourir à la police, et qu'est-ce qu'on leur dirait? On va nous croire, tu penses, David? Attends, j'ai un talisman. C'est le croissant d'argent. Il devrait te protéger. Et je t'ai fait un fétiche. Avec de ses cheveux à elle. Ça vaut ce que ça vaut, quoique c'est mieux que rien. Prends-les, Robin. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de raison. Je vous dois beaucoup, déjà. Surtout, n'oublie pas, évite absolument de voir Viviane demain soir, quoi qu'elle dise ou qu'elle fasse pour t'attirer. Mes voeux t'accompagnent. Savais-tu que les sorcières pouvaient voler? Il ne s'agit pas de balai, là, c'est sérieux. Tu veux dire la projection astrale? Ce serait bien, tout de même. Il y a là la direction des vents qu'elles peuvent changer. La formule est indiquée ici. Eh, ce serait pratique, ça. En faisant de la voile, on n'aurait qu'à changer le vent au lieu de manœuvrer. Ce serait super chouette. C'est bientôt fini. 11h15. Elle aurait déjà appelé à l'heure qu'il est, tu sais. Elle est prête et c'est pour ce soir. On pourrait faire un pentagramme. J'ai vu ici qu'on peut implorer la déesse de la lune et avoir recours à elle directement. Implorer quelle déesse? De la lune, c'est elle, Hécate. Écoute, je crois que ça vaut le coup de le faire. Adressons-lui une supplique, peut-être que ça marchera. Et comment on va la trouver, tu crois, sous la lettre H dans le bottin? D'ailleurs, il y a toutes sortes de rituels et je ne les connais pas encore. Tout de même, on devrait essayer. Excuse-moi, je monte voir papa. Roberta! Roberta! Ne réponds pas au téléphone. La sonnerie va le réveiller. Allô? Ton père doit dormir paisiblement. Si tu veux qu'il continue, ne dis pas à David que c'est moi qui appelle. D'accord. C'est Viviane? Non, c'est l'hôpital au sujet de papa, des recommandations. D'accord, d'accord. Oui, qu'est-ce que tu veux? Allons, toi, tu sais très bien. Je veux te voir au labo de l'école dans 10 minutes. Je n'irai pas. Ton père risque de faire une rechute grave, tu sais. Non. Et puis, il y a David. Tu ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, hein? Dans 10 minutes, Roberta, où ils vont payer pour ta lâcheté. Roberta? Roberta? Ça va, dit. Ça ne t'embête pas si je te laisse pour l'instant? J'aimerais monter voir mon père. Mais non, vas-y. Tu sais ce que je pense? Elle va te ficher la paix. On dirait que oui.
tu as perdu quelque chose, Roberta. Tu devrais voir la tête que tu fais. Qu'est-ce que tu as là, une amulette? Tu dois le savoir, Viviane. C'est toi la magicienne, non? Aucune importance. Un collier de corail, une clé d'acier, une agate de sorcière. Ce soir, rien n'agit contre moi. Rien n'agit. Rien n'agit. Roberta, où es-tu? Oh, non, Roberta. Réveille-toi, Roberta. Roberta. C'est mieux. Je veux que tu saches que j'ai longuement pensé au châtiment que je t'infligerai. Viviane. Tais-toi, écoute-moi. Tu aurais dû m'écouter plus tôt, d'ailleurs. Où as-tu pris que tu pouvais me combattre avec les moyens minables dont tu disposes? Dans une semaine, ici, on ne se rappellera même plus de toi. Même pas David. Ah, ni personne. Viviane, je t'en prie. Tu vas trop loin. Oh, inutile de me supplier. Il faut que tu disparaisses. En fait, c'est toi qui devrais m'être reconnaissante. Connais-tu les divers châtiments pour les sorcières comme toi? Il y a des supplices comme la mutilation, la pendaison, la roue, la tenaille. Personnellement, je préfère en rester au bûcher. Brûle, sorcière! Brûle! Relâche-la, Viviane, je t'en prie. Relâche-la. Laisse-nous, va-t'en. Jamais je ne te laisserai faire. Tu ne peux rien contre moi. Roberta, aide-moi. Sers-toi de ton pouvoir. Ton pouvoir avec le mien. Aide-moi. Ton pouvoir avec le mien.
Roberta! Roberta, Roberta, tu n'as rien? David, Viviane et sa mère, oui, là! J'ai vu, je sais. Il faut partir d'ici. Non, il faut essayer de sauver. Roberta, viens, on n'a pas le choix. Ne pousse pas à deux pâtés de maison d'ici. Ça va meuter les gens, ils vont venir voir ce qui se passe. Allez, je t'en prie. Non! Roberta, écoute-moi! C'est fini. Ce qui compte, c'est l'avenir. Reprends-toi. Il faut que tu tournes la page. Mais ça ne changera jamais pour moi, David. Ça ne finira jamais. Mais je serai là, moi. Ensemble, on va s'en sortir.